2022 nous, 2023 devant nous. Très probablement, élection générale pour venir en 2023. Moi, je dis bien très probablement, élection générale pour venir en 2023. Mais il y a un gros risque qui MSM accroche au pouvoir au détriment du pays, au dépens du pays, essaye à aller même, qu'aucun même, jusqu'à la fin du mandat actuel. La priorité pour nous, au MMM, la priorité, il restait pour faire le MSM aller le plus vite possible à travers l'élection générale. Laissez-moi dire à Zot, aussi fort qu'il est capable d'y aller, je n'ai aucun doute qu'il y ait une bonne alliance Parti travailliste, MMM, PMSD, MSM balayé. Je n'ai aucun doute là. Dans une discussion pour une alliance électorale entre Parti travailliste, MMM, PMSD, pour continuer, pour reprendre, pour continuer au début de janvier même. Il n'est pas facile pour arriver à un bon l'alliance électorale. Mais laisse-moi dire lui aussi, mot optimiste. Mot optimiste à la veille de l'année 2023. Côté l'économie, l'inflation, par votre incompétence, par votre démagogie, le gouvernement et la Banque de Maurice, qu'obliger, recommence déprécier la roupie dès le commencement de l'année prochaine, dès le commencement de 2023. Et ce qui veut dire que l'inflation pour recommencer. Là, pour le moment, il arrête de déprécier la roupie ces derniers temps-là. Mais pas votre incompétence, pas votre démagogie, donc obliger, recommence déprécier et l'inflation pour reprendre. Finalement, ces derniers jours-là, une manipulation inacceptable de bonnes chiffres. Pour faire croire qu'il tout perd bien côté l'économie, une manipulation inacceptable. Comme par exemple GDP, présente-nous les choses comme quoi GDP, développement pays, bien allez, faux. Alors qu'il nous encore, si nous prenons en considération l'inflation, ça l'année 2022 là, nous encore à 95% de ce qui GDP qui était avant Covid, c'est-à-dire l'année 2019. Et côté tourisme, les plus inacceptables encore. Côté tourisme, grand tam-tam, donne l'impression qu'il casse grand paquet côté tourisme. Il y a une reprise du tourisme mondial. Oui, mais nos pays, l'île Maurice, peut faire moins bien qu'il nous mène voisin, par exemple, qui dit Seychelles, qui dit Maldives. Seychelles et Maldives, fait une retourne côté société avant Covid. Pour l'année 2022, je peux gagner le même nombre de touristes qu'ils ont gagné en 2019. Alors qu'ils nous, Pégaloupe derrière 1 million. Pégaloupe derrière 1 million de touristes, alors qu'en 2019, avant Covid, nous dit 1 400 000 touristes. Alors manipule le bon chiffre pour cacher la vérité économique.